Si je vous dis écomobilité, qu'est-ce que ça vous inspire ? Le vélo. Ça doit être le transport avec des moyens économiques en énergie et en pétrole. Pouvoir se mouvoir écologiquement. Je sais pas, tu peux passer en vélo, à plusieurs dans la même voiture, avec les transports en commun. Marcher à pied. La voiture écologique. Se déplacer en respectant l'environnement, c'est-à-dire avec des énergies propres, électricité, solaire. Pour vous, le transport idéal, c'est quoi ? La voiture. Le transport idéal, à Rouen, la marche. Celui qui ne pollue pas, enfin... qui est le plus pratique et qui ne pollue pas l'environnement. Je pense que c'est le vélo, écolo, rapide, mais bon, vu que les villes ne sont pas trop aménagées pour ça, je pense que ça va venir, mais bon, le vélo, je pense que c'est un bon moyen. Oh là là, ce serait d'aller à pied, mais bon, on ne peut pas toujours aller à pied. Mais c'est vrai que les bus, c'est bien, mais je veux dire, ça pollue plus ou moins, ça c'est clair, mais il faut bien bouger. Je marche, et je marche, et je suis née en 1929. Si je vous dis écomobilité, à quoi ça vous fait penser ? À un vélo électrique, pour circuler plus facilement. Pour vous, le transport idéal, c'est quoi ? À pied, bien sûr. Est-ce que vous connaissez le site internet Covoiturage 76 ? Non, parce que moi je ne circule qu'à pied, à vélo, c'est tout. Vous êtes satisfaite du vélo que vous avez entre les mains ? Oui, tout à fait, tout à fait. J'aimerais bien d'ailleurs que je pouvoir le louer plus de 6 mois, parce que je crois que maintenant, on peut louer les vélos à la Créa que 6 mois. Et voilà, moi je ne souhaite pas en acheter un, parce que c'est quand même de l'entretien, il faut savoir bricoler, etc. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas, bonne journée. Lambo, take me down.